HP Media. Si koyo bato yo nzamba pesa mbila na mission, ou ya bila les autres comme les pauvres, les prophètes, les uns comme les apôtres, les autres comme les docteurs, comme les évangélistes, les pasteurs. Est-ce que nzamba tazo ba azo kaka yo pe son mandat? Et voilà maintenant les conséquences sont tirées, c'est-à-dire mon peuple périt à faute de manque de connaissances. Connaissances sont pour la zone de la vie, sont les ayama commis. Peuple est béni en Zambou et Zomona, mais il dit qu'en prophétie. La prophétie ne guérit pas. La prophétie nous édifie. La prophétie nous oriente. La prophétie nous donne des directives. Mais nous ne sommes pas des prophètes parce que nous prédisons l'avenir. Non! Nous sommes des prophètes ou les hommes de Dieu lorsque nous mettons en pratique ce qui dit la parole. Amen. Et pour que les enfants de Dieu soient également bénéficiaires. Parce qu'à ce moment, il y a besoin de soins, de pasteur, de cabana qui va se faire. Non, il y a des gens qui ont des problèmes à Boutaati. Il y a des gens qui ont un problème à Lobati. Il y a des gens qui ont un problème à Mobana et Simbaati. Il y a des gens qui ont un problème à Lobati. Il y a des gens qui ont un problème à Lobati. La chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, shalom. Merci beaucoup à vous tous. Merci à tous nos abonnés de la grande chaîne ESP Media. Merci beaucoup à vous, les enfants de Jésus-Christ, les amoureux de notre Seigneur. En tout cas, que le bon Dieu de la Bible vous bénisse. Il est là, devant vous, votre humble serviteur, Nathan Mwamba, comme il m'appelait, la conscience de mes fers. Merci beaucoup à vous. Et merci également à toute l'équipe technique, Charlie Kanga, Image Pro, Bruxelles-Ville, Madi, Garçon, Sympa Force, et bon rétablissement à toi. Et à Dédé Miongo, Aigle de Kawele, pourquoi pas à toi, Flore. Et merci beaucoup à vous tous. Et merci à vous, notre maman et notre papa, Mama Giacha, Papa Osea Mani. Merci beaucoup à vous, que le bon Dieu de la Bible, et pourquoi pas à toute la coordination de la grande chaîne ESP Media, Papa Anderson et Tamboué, que le bon Dieu de la Bible vous bénisse. Et Maman Tamboué, Maman Hortense, Tony Tamboué, que le bon Dieu de la Bible vous bénisse. En tout cas, Nous sommes là, et dans votre chaîne ESP Media, nous sommes là, la chaîne qui nous édifie, la chaîne qui vous édifie. Alors, et aujourd'hui, nous allons parler, quand je vous assure, quand je vous l'ai dit que nous allons parler, effectivement, nous allons parler. Il est là parmi nous, il nous a fui pendant longtemps, mais je vous avais promis que l'homme de Dieu, le prophète Efata. Shalom papa. Shalom papa Nathan Mwamba. Nous sommes bien la Pambolayo. Amen papa. Je bénis également tous nos abonnés de HP Media, nous sommes la Pambolayo. On ne pas dire un grand merci au Seigneur Jésus-Christ de nous accorder le souffle de vie chaque Amen. Matin. Il nous relève encore Amen. Une dimension de son amour parfait au Amen. Musicien. Et nous sommes bien là à Zanabino. Je sais que ce n'est pas nouveau. Je pense que si nous sommes là, il faut qu'il y ait des choses à dire. Amen. Vous savez, autour de l'église, autour des pasteurs, Amen. Autour de nos foyers, Amen. Autour de nos maisons, Vraiment. Autour de nos entreprises. Amen. En fait, il y a tellement de choses à dire, Vraiment. Mais je sais qu'il y a un seul esprit, Amen. Il y a un seul homme, celui qu'on appelle Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu vous bénisse également et que le bon Dieu de la Bible vous bénisse, vous qui ont eu cette grâce de nous suivre. Faites comme David et lui qui avait dit que mon âme loue l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits qu'il fait. Si vous faites cela aussi, dites à ton âme de ne rien oublier. Ainsi, ce soit quand on commence ensemble, on ne sera juste le roi Tongo. Ainsi, ce soit quand on commence ensemble, on ne sera aussi. Et c'est sous joie tant comme ça nous amène au après ça comme casse hier au petit ma colonne C juste après avoir collaboré. En tout cas, sois reconnaissant. Si David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu, c'était pas par rapport à ses prières, c'était par rapport à sa reconnaissance. Alors, sois reconnaissant vis-à-vis de ton Dieu, sois aussi reconnaissant vis-à-vis de ton frère Ozomona. Bola momoro boué ba c'est là, apprends à dire merci, apprends à dire pardon. Ezali Bongo, moi conseil du jour, alors l'homme de Dieu, on est là avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler, papa. Est-ce que vous êtes prêts à nous répondre? Merci beaucoup, nous sommes prêts. Vous savez, tout y a quand on a amené la bûche au Nous sommes toujours conduits par le Saint-Esprit. Okay. Et
toute manière de genre des questions qui surviendront, ce n'est pas une surprise pour moi. Okay. Parce que le Saint-Esprit a dit, même devant les tribunaux, ce n'est pas vous qui parlerez, okay, c'est moi qui parlerai en fait. Amen. Je suis également très prêt. En tout cas, nous savons une chose, vraiment, nous savons une chose que la Bible nous dit, tout bomba, ou ya malam, ou ya ma bété, tout dévoilé, bah, oh, nous sommes allés, bah, Eva Mouna. En tout cas, c'est un peu ça. Nous sommes là avec l'homme de Dieu, le prophète Ephata, l'homme de Dieu. Par rapport à l'analyse, oh, ma kamozo kendelelo, ozo lo banini, par rapport à l'église de Dieu, est-ce qu'on peut dire que les églises de Dieu d'aujourd'hui sont réellement les corps de Christ? Merci beaucoup, papa Anata. Vous savez, les Zambapambola, on reconnaît ce bazar déjà, on a fermé. Okay. Et les Olobana, Matthieu chapitre 10, verset 6e, qui est allé vers les prédits qui sont perdus, puis okay, reviennent, pour le ramener vers la bonne voie. Okay. Vous savez, l'église d'aujourd'hui, et nous ne parlons pas d'église sous forme de matériel, okay, sous forme de bâtiment, mais nous sommes en train de parler exactement comme Dieu a envoyé à la mission de Matthieu chapitre 28 et verset 19, mmh, qui allait de faire de toutes les nations les disciples. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui à l'église, il y a encore des disciples? C'est ça maintenant la question s'est posée. Mmh. Parce que l'église d'aujourd'hui a pris une autre envol dans le sens négatif, parce qu'il y a des brigands qui sont inclinés dans l'église. Il y a de ceux-là qui se sont fait autoproclamer des pasteurs. Okay. Il y a de ceux-là qui se sont fait autoproclamer de bergers, des apôtres. Or, ce n'est pas le titre, ce n'est pas le titre qui fait de vous un homme des yeux. Okay. Mais le fruit de l'esprit, mmh, que Dieu a mentionné à vous, mmh, qui fait reposer à vous, mmh, qui fait de vous un enfant de Dieu. Très bien. Vous savez, Paul, pour répondre à votre question, Paul, après 14 ans, il a enseigné, il a écrit, il a parlé, mais aussi longtemps, Pierre, Paul, n'avait pas rencontré Pierre, parce que c'est Pierre qui avait la clé de l'église. Okay. Il aurait fallu que Paul puisse y rencontrer d'abord Pierre, okay, pour avoir quoi? La clé de l'église. Okay. Parce que Dieu a promis à Pierre, mm-hmm, je donnerai la clé de l'église. C'est cette pierre que je bâtirai mon église. Okay. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Je me suis posé la question, quelle dimension de cette révélation que Dieu est en train de promettre à un individu en étant un disciple qui était bien bâti, accordé dans la, assidu dans la prière, pardon. C'est pour cela l'église d'aujourd'hui, beaucoup ont abandonné la foi, ils se sont accordés, ils se sont marcher dans la séduction, mm-hmm, dans la séduction du méchant. Yango omoni Christazo lobana na Galates chapitre 1 Timothée chapitre 4 verset 1er, mm-hmm, l'esprit dit expressément à l'église. Pourquoi toujours église? L'esprit dit expressément à l'église, mm-hmm, que dans le dernier temps beaucoup abandonneront la foi, mm-hmm, dans s'adapter aux esprits séducteurs apportant la marque de flétrissure sur leur propre conscience. L'esprit des démons. Et c'est presque même de ne pas se marier. T'as la dimension. Ni au monde bisexuel, le continent qu'à l'église. Ni au monde magique, n'en parlons même pas. Et comme on voit Maya comme là. Mais attention, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé. Il le moissonnera aussi. Donc, au monde révélation, il y a Jean, à Solo, dans l'Apocalypse, chapitre 22, le verset 11 au 12, verset. Alors, dit, celui qui s'essuie, s'essuie encore davantage. Celui qui se sanctifie encore davantage. Et celui qui commet l'iniquité, qui commet encore l'iniquité davantage. Mais sur ce, je reviens avec ma rétribution. Je vais juger chacun de vous selon son œuvre. Église autobée d'aller selon les mots. Nous avons besoin de l'église, corps de Christ, sous forme de bâtiment, mais sous forme du cœur, et trouver la foi avec œuvre. En tout cas, merci beaucoup. Merci, vous étiez trop profond et trop pragmatique. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, on continue aujourd'hui. On serait comme ça. Question-réponse. En tout cas, l'homme de Dieu, parle-nous un peu. Aujourd'hui, nous avons des appelés. Quand on parle des appelés, nous voyons directement les hommes de Dieu, les serviteurs, pour ne pas dire les soi-disant. Alors, Dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset
9 au 13 verset, j'ai la parole du Seigneur. Amen. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides ou les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudra sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et outragé, my God, impudique, ou cupide, idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec tel homme. Wow. Yoka Écriture, Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Oh là là. Le verset 24. Je descends petit à petit. Matthieu 24. Yoka. Le verset 23, 24, verset. Okay. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ. Et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Wow. Zoasikoyo de Pierre. Pour la couper sa réponse, on découvre dans la Bible. De Pierre chapitre 2. De Pierre chapitre 2. Le verset 1er, j'ai eu la parole du Seigneur. Amen. Il y a parmi leur peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Mon frère, on a reçu presque tout le monde et la confusion écoute au sein de l'église. Pourquoi? Il y a des gens qui se sont surnommés des brebis, mais apportent dans leur cœur un dragon. Baba ravisseur, mais qu'on garde peuple de Dieu la bonne foi. Et tant aux obéis, il y a des appelés et des élus. Il y a de ceux-là qu'on la bengi bango les appelés, mais à décrocher appel. Parce qu'il y a ceux la bengi au fond d'ima. Ok. Alors, lorsque Dieu t'a appelé Pierre, alors qui pêcheur de poissons. Mais lorsqu'il a dit, Pierre, suis-moi, viens en Jésus. Pêcheur d'homme. Tu es devenu qui? Pêcheur d'homme. Waouh. Donc il y a encore des pêcheurs de poissons. Alliés dans ma manza, mais tu as le cas pêcheur de poissons. Il y a des pêcheurs, des impudiques. Ma pêcheur, il y a ma nomme. Il y a escroquerie, il y a ivrognerie, il y a pour égarer le peuple de Dieu. Agé appelle, Olé a décroché à Tamboulana Nzambe. Et la mission et le mandat que nous avons reçu. Attention, Dieu n'est pas un fils pour se mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Nombre chapitre 23, le verset 19 ou 25 verset. Bande ko zomona bango nyoso ba so benga ba kumba pasteur bana de initier ba na batou. Tala niveau ba pasteur ba kumba ko sala impudicité. Ba banga li susuté. Na bité kanda nzamboyo. Il se lèvera un 4 matin. Na mikolo tozo kende. C'est un des messages que nous avons reçu à la retraite. Au lieu que ma pasteur va se faire chaos. Ok. Et ça, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous image dit que nous avons 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 dit que nous au nom de Chronique. Le nom de Chronique, hein? Des Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Des Chroniques, chapitre 7. Talabi Sika, Mawyanzambi, Vanaranavi Abadou. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Si mon peuple sur qui invoquait mon nom simili, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai le ciel.
je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nzamba na besoin te que yo sumuka kipoki manon. Vous savez, lorsque Dieu est en train de témoigner pour David, un sanguinaire, mais il est arrivé à tel point de dire que David il est l'homme selon son cœur. Être l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Très bien. Ce n'est pas parce que tu as des matériels. Okay. Être l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce que tu t'humilies devant l'Éternel. Or, Dieu, il est en train de dire que ça va être parce que nous sommes les embêtés. Nous sommes au côté de la vie. Ah, c'est là. Ah, mon amour, c'est là. Les jours où tu reviendras, au côté de la vie, tout ce qui était, ça sera. Et tout ce qui était passé, et Kozala, et Zali, et Kozala Kaka. Mais lorsque tu commets une iniquité, viens de la présence de Dieu. Foukamanan, du Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui l'avoue, il délaisse l'obtient miséricorde de Dieu. Dans la sikoyo bato, yon zamapé sambila na mission. Où il y a bien les autres comme les pauvres, les prophètes, les uns comme les apôtres, les autres comme les docteurs, comme les évangélistes, les pasteurs. Est-ce qu'il y a un peu de son mandat? Et voilà maintenant les conséquences sont tirées. C'est-à-dire, mon peuple périt à force de manque de connaissances. Connaissances sont que la zone où on a mis son Isaïe m'a commis. Peuple est belé en Zambo et Zomona. Il dit qu'à la prophétie. La prophétie ne guérit pas. La prophétie nous édifie. La prophétie nous oriente. La prophétie nous donne des directives. Mais nous ne sommes pas des prophètes parce que nous prédisons l'avenir. Non! Nous sommes des prophètes ou les hommes de Dieu lorsque nous mettons en pratique ce que dit la parole. Amen. Et pour que les enfants de Dieu soient également bénéficiaires. Parce qu'à ce net moment, Batouba a besoin de soins, pasteur, Bakabona, Kibasana, Kini. Non, il y a des gens qui ont des problèmes à Boutaati. Il y a des gens qui ont un problème à Lobaati. Il y a des gens qui ont un problème à Essimbaati. Il y a des gens qui ont un problème à Lukaoye. Besoin de Zambakota, Makamunaye. Et pendant tous ces moments-là, nous avons besoin de nous soigner. Pendant tous ces moments-là, nous avons besoin de nous soigner. Question que nous avons dit à l'homme de Dieu. Ne touchez pas à mes oins. Mais lorsque. Chapitre 100 et 5, le verset 5. Merci beaucoup. Ne touchez pas à mes oins, dit la Bible. Mais lorsque nous avons besoin de nous soigner, nous avons besoin de nous soigner. Et si nous avons besoin de réponse, tout ça, tout ça. Entre vous, les oins, vous pouvez vous toucher. Nous sommes en train de nous parler de nous, papa. Oui, Proverbe chapitre 22. Azobe t'a dit solo. Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22. Quand tu es vexé. Le verset 3. Au quatrième verset. Ok. Parce que mon nom est orgueil. Et ton âme au quatrième. Oui. J'ai eu la parole du Seigneur. Amen. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et après, on a dit l'homme, il s'attend au secours de la vie en nous. Il s'attend à la vie en nous. Les actes de tutesse, ignorance, l'orgueil. Au jour où on a la salle en train de bébé, au Bible, les autres, sont en matière. Si ton frère. À saluer ma vie. Va chez lui, Bengaï, de près. Bonsoir, papa Nathalie, on a salué qui a tout calé. Vous savez, lorsque fruit à humilité et l'ongo n'a qu'à et puis c'est notre orgueil, dès qu'on peut faire bien sur un endroit. Essayez de voir comment les hommes de Dieu sont entrés, les dieux de la chair. Ici, Kaombe, Lanzamezo, Kita. Dès que tu as dit que tu as fondé, on va prêcher la bonne nouvelle. Attention, vous consultez là, attention, vous dites, pourquoi il y a Nicolas Baché? Nous sommes dans mon solo. Parce que les comptes à rendre, ils ont la tête de nous, mais la carte évangélique. Parce que nous, nous allons dénoncer des choses où ils sont infructueuses. Pour que la tienne, le coulabas même. Mais ça va. Le dragon va boire comme moto. Par rapport à tout ça, dans Israël, tout le monde qui tant on y a ce homme qui est dans le camp, tout a toujours basé à l'ensemble. Alors, vous en étant un prophète de Dieu, vous en étant un homme de Dieu de notre pays, par rapport à tous ces bavures, par rapport à tout ce qui se passe dans l'église de Dieu aujourd'hui, un mot par rapport à tes collègues, frères, pasteurs et prophètes. Merci. Je m'adresse également à
tout, c'est lui qui a reçu le mandat pour ramener le peuple de Dieu qui sont perdus dans la bonne voie et pour ramener Batumanomé la sikoloma ya sauce ya kitoko. Conseil Zaka Moroki, besoin de la vérité. Besoin de la vérité. Parce que les apôtres, Christ a sa pierre. Dans Actes des apôtres, chapitre 2, si je peux lire l'écriture, pour qu'on réponde dans les corps, dans la biseau. Actes des apôtres, chapitre 2, chapitre 2, verset 41 au 42e verset. Actes 2, 41 à 42e verset. J'ai eu la parole du Seigneur. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Et dans les prières, la crainte s'emparait de chacun. Et il s'est fait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Nous avons besoin d'intervention à Moutouté pour Kangola Moutou. Nous avons besoin d'intervention à Moutouté pour Azalikola Fungolango à Pamboula Moutou. Mais dans le niveau, nous avons besoin de nous faire de nous battre, nous avons divorcé. Dans la conséquence, au côté à Pépé de Dieu, mais nous avons besoin de nous faire de nous faire de nous faire de la vérité. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er. Azoubou t'a dit sur la lobby, il y a un temps pour toute chose. Amen. Et comme quand vous en attendez un peu. À quoi bon de perdre, de gagner la terre et de perdre ton âme? Dans le monde, ma conséquence, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Faire à Dubaï. Ça fait très mal. Il y a un appel. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Mais ce n'est pas possible. Elle est en vitipidité, ivronnerie. Donc, je vais continuer de l'autre. Je vais continuer de l'autre. Mais conseil gratuit, je vais me dire que je vais me dire que je vais me dire que je vais me réconcilier dans le monde. Je vais me dire que je vais me dire. Parce que dans tous les pays, même en Israël, je vais me dire que Samuel et pas Saïl, dans 1 Samuel chapitre 10 et verset 6e. Alors, l'esprit de l'éternel te saisira. On peut ça, je vais me dire que je vais me dire que allons chercher un prophète. Tout ce qu'il dit, ça ne manque jamais de se concrétiser. Et c'est un homme considéré. Est-ce que ma prophète est l'homme à se considérer? Là, c'est l'esclave qui dira ça. Oui. Hein? Ah, papa, maman, ça va pas en voulant. Amen. Vous avez dit que. Et ça, les gars, c'est un homme à se considérer. C'est-à-dire qu'il y a des gens où ils ont dit on a besoin quand il y a vérité. Amen. Est-ce que ma parapatique a souvent un encadré? Mais laisse-moi vous dire la vérité. Le salut est individuel. Okay. Le nokobo est ressemblé là. Le nokosa la sembla. Il y aura quelque chose quoi câblé au caca. Ça va te ramener auprès de l'éternel. En tout cas, merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci que Dieu vous bénisse. Et dans le livre de Hébreux, chapitre, si je ne me trompe pas, 16, 8, comme ça, Bible le Bible, il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Nous avons une bonne humanité, nous avons continué à faire ça avec papa, la biche, et à faire ça avec papa, la biche, et à faire ça avec papa, la biche, et à faire ça avec papa, Fumukimbangu, prophète Fumukimbangu, et à faire ça avec papa, papa, nous sommes les cas, papa, nous sommes les cas, et on a fait ça avec papa, mais le oyo, subitement, tout le monde a beaucoup de pétages dans Katia, évangile de Dieu. Nous avons des pasteurs pétages, nous avons des prophètes pétages. C'est quoi ces situations? Tout le monde dit, je suis en train de me dire, je mise en jour. Là, c'était ma toute dernière question. Merci beaucoup, Papa Jonathan. Vous savez, quand je connais ce que je suis en train de me dire, 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 chacun est en train de me dire. Amen. Pour ton nommé l'amour, que nous soyons à terre. Amen. Nous pour amener que nous soyons. Et alors, je vais vous dire que nous avons besoin d'abîmer. Quel que soit, ma cambo, je ne compte plus de l'église. Ils ont péché au lieu qu'ils en étaient. Amen. Parce que le banal Isaïe, chapitre 26, le verset 20, il a dit, mon peuple, entre dans ta chambre et cache-toi. Ferme la porte derrière toi. Et c'est une dimension de la discrétion de l'intimité aussi avec ton Dieu. Ce qui pour les sympathiser, mais quand nous est là-haut, nous avons besoin de battre Aïe Samoïse après avoir tourné montagne à Seir. C'est vraiment cette fois-ci vous devez changer la direction. Amen. Pour aller vers la mer rouge. Amen. Ils ont un camoulo, ils ont un camoulo. Ils ont besoin de battre Aïe Samoïse. Malgré besoin de battre Aïe Samoïse, quelque chose va combler, va passer au Mali Pessu. Mais à ce moment-là, ils ont un mari de nous.
Est-ce que les nombres de formateurs à Babylon, est-ce qu'ils ont le temps de méditer? Je leur invite. Banyako bazonga na biso na EHP Media. Bo se connecté et bo s'abonner massivement. Le prophète vous attend. Nga na zonga nga na porter parole te oya ko lobela nga. C'est le Saint-Esprit qui m'ordonne de venir parler au milieu de son peuple. Banyako bazonga ba problème. Bande luka visa, bande luka mukanda. On a besoin ya orientation divine. On a besoin d'un projet dans lequel ils ont orienté. Il y a qu'à contacter le prophète de l'Assemblée ou renouveler les alliances dans l'Assemblée. Bible Zoloba, dans Proverbe chapitre 21, le verset 31, le cheval est équipé pour les jours de la bataille. La délivrance appartient à l'Éternel. Amen. En tout cas, la délivrance appartient à l'Éternel. Et je pense que l'homme de Dieu a tout dit. Merci, c'est qui commence bien, finit bien. Nous vous êtes vers la fin de cette émission. Merci à vous tous, merci pour la fidélité. Merci beaucoup à maman Gersh, à papa Ozeamani. Merci à maman Blessing Job. Merci beaucoup à vous, la maman de Nathan Mamba. Merci beaucoup et merci beaucoup à papa Ogi Longa. Merci à, en tout cas, à vous tous. Et merci beaucoup également à ma maman Caroline de Poula France. Merci aussi à maman Chantal Niembo, maman Déborah, la servante de l'Éternel de Poula Allemande. Que Dieu vous bénisse. Papa, nous voici vers la fin de cette émission. Amen. Votre mot de la fin et puis la prière. Quant à moi, je vous dis bye bye. Mon à dire mon ko le roi bisa de quoi on aille papa maman leki mokolo mninga camarade aimé Bible zo lobana Hébreux chapitre 11 verset 1er que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est quand on dit maintenant il nous samati même chose là qui décide hier. Même sur le lac Ilori, il y a un temps pour toutes choses. Relève-toi d'abord. Remontez, foi na on a nzambé. Dans Bazoué, il s'agit de Josué. Dans Josué, chapitre 1er, le verset 5e. Que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Cela veut dire aussi longtemps, Nzamba, si c'est ma camouna, il était dans sa moindre. Personne ne t'aura ta vie sur cette terre. Je m'en suis obéla. Je m'en suis en bas problème. Bas n'a pas problème. Au sorcellerie. Au bas signe, mon cousin mona. Au bas 14 qui n'en doto. Au bas même bilan de payanganga. Au yo quand nous aura pas problème. Yo va n'a pas de simbakati. Yo va n'a pas de kouya kaka. Yo va n'a pas de souk saranzila. Le kata, le kota de prophète. Le fata. La cuisine de sa 43, 82, 21, 78, 177. Il y a mon numéro est affiché sur la barre du crâne. Pour rejoindre tout le monde, on est pendant 4 jours. On a passé sur 4 jours la semaine. 4 jours. Kafou, kafou. Il y a des choses à dire. Nous avons toujours la culpabilité. Aucun dépendanga. Aucun autre qui a monté la zéni. On a la culpabilité, mon con. Il y a pour réconcilier nous en Zambie. Nous n'avons pas en besoin. Donc, on a un peu comme balé de colo. On a sa colli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je déclaré guérison et miracle, si et prodige, et la partage dans nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la déclarer et la arrêter. Ça va restaurer comme un esprit, à restaurer ma projet, ma promesse, à restaurer la vision, à néol, ainsi la bonté. Fondama coquissa, ma cambo, la paix, ça y est, mon con, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la paix, la puissance, la porte divine vous comble. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous en bienvenue à Pambola. Bon, nous sommes à HP Media. Merci, un grand merci à mon frère Nathan Mwamba, mon confrère, la connaissance et la science qui avance. La simplicité aussi à un homme, M. Fabrice. Nous avons à Pambola. Bon rétablissement, mon frère. Pourquoi pas dire un grand merci Papa Charlie Kanga. Ok, un grand merci à vous, mon papa. Nous avons à Pambola. Abonnez-vous massivement. Vous avez besoin d'orientation. Mon numéro est affiché. Nous avons à Pambola. La chaîne qui vous aime.